Le but, c'est de faire vivre le stade, qui est une activité, et qui soit une activité pas uniquement sport professionnel, même si c'est effectivement très important, hein, puisque c'est quand même notre objectif majeur. Mais le but, c'est également d'ouvrir le stade à la collectivité, à la population du Mans, aux jeunes, à toutes les catégories de population, et au sport amateur en particulier. Parce que c'est un stade qui appartient à la collectivité publique, et en ce sens, il doit servir pas uniquement au sport professionnel, mais il doit servir également à la collectivité pour des opérations d'intérêt général. On a souhaité développer cette activité-là parce que le stade doit continuer à avoir, et pas uniquement retrouver, mais continuer à avoir une belle image, une image qui donne de la fierté aux habitants du Mans et une image qui soit porteuse de belles opérations également pour accueillir des grands événements. C'est un équipement qui a vocation à accueillir des activités sportives en particulier, des matchs, que ce soit du football féminin ou masculin, ou bien du rugby ou d'autres activités, on pense également au football américain. Un stade, c'est avant tout pour recevoir ce type d'événement. Et comme le disait Christian Fouquier tout à l'heure, le but, c'est de donner du plaisir aux gens, de donner envie aux gens et au public de venir assister à ces matchs-là. Et notre souhait, c'est de pouvoir faire vivre le stade et accueillir le maximum d'opérations de manière à ce que le public ait envie de venir assister à des matchs, à des activités, à différentes opérations au stade. Au-delà du match de l'équipe féminine, équipe de France du mois de novembre, on cherche à accueillir à nouveau le football féminin au MM Arena, c'est exact. On cherche également à accueillir des clubs de la région plus éloignés, des clubs de foot, football masculin, pour des matchs selon leurs affiches, des matchs en délocalisé. Et puis, il y a toujours le rugby sur lequel on est sur des candidatures pour accueillir des matchs de rugby au stade également. Alors, on a également d'autres projets, comme je l'ai dit, le football américain. On aimerait beaucoup avoir soit un match du club Caïman 72, qui est un club très dynamique et qui a de très beaux projets, soit même, pourquoi pas, un match de l'équipe de France, une sélection officielle. Du fait du redressement judiciaire, en fait, notre action, elle est suspendue. Et je suis en attente de savoir, je dirais un petit peu comme tout le monde, hein, comme les autres prestataires et fournisseurs du Mans FC, savoir ce qui va se passer dans les prochains jours.